C'est le bleu, chef. Soupe ? C'est quoi ce nom à la con ? Nicolas est dans la merde, et on va l'en tirer. On ne laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Sakaef. Imran Sakaef. Mon sang. Sur leurs mains. Delta 1 à X-ray, on a un missile lancé. Je répète, on a un missile lancé. Choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas. Les gens voient plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. Tirez pas avec le viseur. J'essaie de leur expliquer ce qui va pas. Tirez normalement. Vous avez vu ? T'as arrosé tout le champ de tir. Pour être efficace, adoptez une position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. C'est la base, vraiment. Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Le viseur permet aussi de passer rapidement d'une cible à l'autre. Regardez dans le viseur, puis changez de direction pour passer d'une cible à l'autre. Montrez-leur, soldat. Si une cible est proche de l'endroit que vous visez, passez rapidement en mode viseur pour l'avoir en joue. Bien trop lent. Vous devez quitter le mode viseur, puis y revenir rapidement pour changer de cible.
C'est comme ça qu'il faut faire. Le but, c'est d'abattre les cibles rapidement et efficacement. Si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Soldat Allen, prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Bien. Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait. Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. C'est le bleu, chef. Soupe ? C'est quoi ce nom à la con ? Laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Sakaev. Yeman Sakaev. Mon sang. Sur leurs mains. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qui nous haïrait pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur.
bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas, mais j'en vois plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. Vous avez vu? Il a arrosé tout le champ de tir. Pour être efficace, adoptez une position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. C'est la base, vraiment. Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Le viseur permet aussi de passer rapidement d'une cible à l'autre. Regardez dans le viseur, puis changez de direction pour passer d'une cible à l'autre. Montrez-leur, soldat. Si une cible est proche de l'endroit que vous visez, passez rapidement en mode viseur pour l'avoir en joue. C'est comme ça qu'il faut faire. Le but, c'est d'abattre les cibles rapidement et efficacement. Et si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Soldat Allen, prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Bien! Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait. Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. Enfin, chez lui, il a trouvé cette gâchette. Et oui. Je fais de ça à personne. Bonjour, soldat. Bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, vous avez déjà votre arme de poing. Ok, prenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Souriez pour les caméras et visez juste. Shepard vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y! Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Allez monter rejoindre votre groupe, ou vous pouvez aussi recommencer le parcours. Très bien. À tous les hunters, rejoignez votre groupe. On s'en va. Ils ont fait sauter le pont. Il faut qu'on bouge. Tout le monde dans les véhicules. On s'en va. Notre armée est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Chaque combat est le nôtre. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer.
au lieu d'être anéantis. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Celui de gauche ou celui de droite? Celui de gauche. Hey, ils sont pas un peu trop près, les mecs, là? Depuis quand Shepard se préoccupe de ça? C'est bon, on va y aller! Regardez, le bâtiment s'effondre! Ici Hunter 2, je me détache. Bien reçu, Hunter 2. À tous les Hunter 2, faites gaffe avec les civils. On attaque que s'ils nous tirent dessus. Cherchez l'ennemi sur les toits. Restez concentrés. Tu vois quelque chose? Rien du tout. C'est mort par ici. Waouh. Overlord, ici Hunter 2-1. On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West, ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12 heures. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils observent. C'est tout. Pareil qui nous espionne. Ça veut pas dire qu'on peut les buter. Vous les voyez? Vous les voyez? Je vois rien du tout! À tous les hunters, ici le sergent Follet. Préparez-vous à l'attaque. Il y a des tireurs embusqués. On va se les faire! On a plein de contacts! Devant et derrière! Thank you.
Tout le monde va bien? Armes à l'étage. Lancez-moi une grenade flash à l'intérieur. Surveillez les mouvements ennemis. Ici Hunter 2-1, on est dans l'école. Il y a de la résistance. Bien reçu, Hunter 2-1. Avancez! On doit soutenir Hunter 2-3. J'en ai vu un courir dans cette place. Hunter 2-1 à Overlord. Hunter 2-1, ici Overlord. On vous écoute. L'école est sécurisée et l'ennemi se retire du secteur. On est en train de faire le ménage. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudent jusqu'au point de ralliement. Il y a peut-être des prisonniers de guerre ennemis. Terminé. Bien reçu, Overlord. Merci du conseil. Terminé. Messieurs, la ville est à nous. Soldat Allen, c'est à moi que vous répondrez dorénavant. Je vous brieferai dans l'hélico. En route. Bataillon en mouvement. J'ai l'air de quoi? De l'un de nos ennemis. C'est parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov, la récompense? Une récompense? Non. Makarov est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité, ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment.
C'est fini, Roach. En route. Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. C'est bon, la glace tient. Suis-moi. Bonne chance, mec. On se retrouve de l'autre côté. Ces crétins se doutent pas qu'on est là. On va y aller en douceur. Tu prends celui de gauche. À trois. Un, deux, trois. Bien joué. La tempête se lève. C'est par en haut. Je vais te surveiller du haut de cette corniche avec la lunette thermique. Profite de la tempête pour entrer dans la base. Dans ce blizzard, tu seras un vrai fantôme. Les gardes te verront qu'au dernier moment. Surveille ton capteur. Bonne chance. Кто взял мой бортиплод со стола, со склада? Ты знаешь,
Les oplatines des gardes. Dites à moi. Fais gaffe, t'as alerté un des gardes. Message radio concernant le satellite. Attends. Ok, le satellite est dans le hangar du fond. On fait la course ? J'y vais. Terminé. J'ai des signatures thermiques près de la tour. Peut-être des BMP. Évite la zone. BMP a des viseurs thermiques. Dégage de là en vitesse. Visiter le coin ou quoi? Allons-y. Suis-moi, on y va.
Vas-y à fond, continue. Voilà l'hélico, on fonce. Bravo 6, on vous a en visuel. Grimpez à bord en vitesse, on a plus une goutte de fuel. Le reste de la Task Force 141 a apporté la CS, Allen. Deux hommes ont éliminé toute une base. Je vais vous demander encore plus. Hier, vous étiez un soldat sur le front. Mais aujourd'hui, le front, c'est du passé. Les uniformes aussi. La guerre se joue partout et il y aura des victimes. Makarov combat pour lui-même et n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide. Il n'est guidé par aucun idéal et ne respecte aucun drapeau, aucun pays. Il échange le sang contre de l'argent. C'est votre nouvel ami. Je ne vous dirai pas ce que ça a coûté de vous faire venir près de lui. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez.